Ça va les Crozes? Est-ce que vous passez un bon week-end? Ce soir les Crozes, nous allons jouer à Project Nightmares, case 36, Henrietta Kedward. Je sais pas du tout ce que c'est, mais on va y aller. C'est parti pour Project Nightmares. Écoutez, je vais mettre du son dans le casque. On va couper la musique. Voilà. On va mettre du son. Voilà. Et c'est parti. Bon, par contre, le jeu est en anglais. Va falloir traduire. Mais je sais que vous êtes très bon en traduction. Let's go. Ok, premier texte à traduire. Putain, ça demande de la concentration. Alors, tout ce qu'on sait à propos de la case 36 Center est nouveau. Nouvel abonné, Diable. Wesh, 4 mois ma gueule, merci beaucoup Diable. 4 mois déjà. Merci à toi. Je vais peut-être éloigner un peu mon micro parce que putain, j'ai tendance à gueuler dans le micro. Vous savez que quand je fais les rediffs sur YouTube, à chaque fois, il y a mon micro qui sature parce que je parle comme un teubé comme ça là. Alors, tout ce qu'on sait à propos de la case 36, les Crozes, c'est que ça tourne autour de Henrietta Kedward. Apparemment, elle vit en ermite, c'est ça? Dans une ville. Putain, la traduction de merde. Bon, elle vit en ermite, ok? Elle vit en ermite. Mais toutes les informations d'elle, à part ça, il n'y en a plus, tu vois, il n'y a pas d'infos. On sait pas ce qu'elle est devenue. As if it has been intentionally... Ah, on pense qu'elle a été intentionnellement brûlée. Enfin, que les informations ont été brûlées. Ok. Donc le projet Cauchemar Team Tracked Down. On poursuit une poupée qui émane une énergie assez maléfique qui semble liée à Kedward, à Henrietta Kedward. Ok. Et bienvenue à Binaya! Bienvenue à toi! Ok, attendez, oh putain, attendez, ça commence. Là, attends! On va essayer de mettre un peu plus. On peut pas mettre un peu plus clair? Je sais pas si vous y voyez quelque chose. Ça va? Oh, y a des bruits chelous, ça commence. Hein. Ah, ça y est, j'ai chopé une bougie, d'accord. Ah la vache! Bon, ok, donc on est dans une espèce de maison. Ça doit être la maison dont on a entendu parler tout à l'heure. Et donc notre objectif c'est... Attends. Trouve des informations à propos de la maison. Il faut trouver 3 portraits, d'accord. Et ensuite il faut trouver 4 masques qui sont perdus dans la maison. Ok, donc 4 masques et 3 portraits. C'est parti. Donc j'imagine qu'il y a un grand méchant dans la maison. Bon bah rip, pourquoi c'est un jeu compliqué? Ah non. Hein. Ah, il y a un portrait là. Ah, 1 sur 3, nickel, putain, on a déjà trouvé un portrait. Ça commence très bien. Pourquoi rip là, vous me faites peur, sérieux? Bon du coup, faut tout fouiller, c'est ça? Ok. Il y a une goutte qui est tombée du plafond. Bon, il n'y a rien ici. Coco. Putain, c'est bien fait, hein. Ce jeu est pas facile. En fait, c'est quoi le but? Parce que là, en fait, on me dit juste... What? Putain, il y avait un vase au plafond. C'est quoi ce bordel? Là, mon objectif, c'est juste de ramasser des portraits et des masques, hein. Rien d'autre, hein. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qui se passe? J'entends des voix. Un canard. Pourquoi il y a du bruit? Ta gueule, toi! Vas-y, je me casse. Ça pue ici. ça pue, on se casse. Pas déconner, hein. Ah putain, c'est vrai que la bougie, il faut, à mon avis, il faut la.
Il faut l'allumer, enfin il faut la laisser allumer. Et vu qu'une bougie ça se consomme assez rapidement, les crozes, mais on va être plongé dans le noir. Ah 5 morts, mais t'es malade. Oh merde! Bougie! Merde! Oh! Oh putain, ça a l'air tellement tendu. Ça a l'air tellement tendu. Bon, pour l'instant, je suis toujours en vie. Hein. C'est plutôt pas mal. Ah, on peut prendre... Est-ce qu'on peut prendre une nouvelle bougie? Ouais, je crois qu'on peut la remplacer. Ok. Ouais, ok. C'est quoi, ça? Dans tous les rituels spirituels d'invocation, il y a une barrière magique qui est créée... avec un truc de sel, ok. Ça sert pour protéger les gens des entités du mal. D'accord, donc typique, hein, la barrière de sel au sol qui bloque les... Donc c'est-à-dire que si je vais là... C'est-à-dire que là je suis plus protégé, c'est ça? Ok. Oh putain, il y a un truc là-bas direct. C'est quoi? C'est peut-être elle du coup, c'est peut-être la femme, non? Putain, je viens de voir un truc au fond, les crozes. C'était une femme. Une vieille femme. C'était une vieille femme. Bon, par contre, ça me fait un peu peur, là, du coup. Oh, putain. Pourquoi j'ai fait du bruit comme ça? Ah! Quoi? Non! Oh! Oh! Oh, merde. Putain, mais attends, t'as même pas le temps de la voir, quoi. What? Comment on s'est fait transpercer? Oh. Ah, du coup, on recommence ici, d'accord. Est-ce qu'on a toujours notre portrait? Oui, on a toujours notre portrait. Donc ça sauvegarde, c'est plutôt bien. Ça sauvegarde. Donc c'est-à-dire qu'ici, on est tranquille. Il peut pas y avoir la femme. Vu qu'on n'est pas dans la barrière. Wow, 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 qu'est-ce qui se passe, là? Je viens de me casser la gueule. Waouh, la vache. Ok, faut pas courir avec ce perso. Faut pas courir avec ce personnage. Mais oui, qu'il faut croire en moi, c'était une mort de test, ça. Alors attendez. Non, 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 mauvaise idée, mauvaise idée. Bon, ce perso, on peut pas courir avec. Tu cours avec 3 secondes, il tombe. Même pas peur. Est-ce qu'on peut se baisser? Non, on peut pas se baisser. Une croix. Satanas. Ah, nice, putain. La petite bougie en rab, ça fait plaisir. Bon, pas de portrait, on continue. Bon, vous êtes prêts? Bienvenue, Amy Monster 88. Bon, là, putain, mais là, c'est chaud. Mais... mais... Attends, mais... Là... On en est quand même à un point où je passe la barrière de celle, je me fais démonter. À un moment donné, faut m'expliquer. Même pas peur. Même pas peur. Oh putain, là par contre, je m'attendais pas. Ouais, je me suis fait choper comme une merde. Non mais attends, faut que je comprenne vraiment par contre.
comment on peut faire pour bah, la combattre. Enfin, je sais pas, il y a forcément un truc à faire. Ça me paraît bizarre de... Bah, que je passe la barrière et que tout de suite après... Bah, j'ai dans le fion, quoi. Ouais, le truc, c'est que je peux même pas courir. C'est vrai. Je peux vraiment pas courir pour le coup. Et là, j'ai pas... en fait, j'ai pas envie d'y aller parce que je sais que je vais mourir. Que tu que je fasse, là. Putain, mais là, je peux pas courir, en fait, c'est ça. Parce que je l'entends, tu vois, quand je l'entends, je me retourne. C'est système de survie, quoi. Mais j'ai même pas le temps, en fait, de courir. Putain, ma bougie, attendez, j'ai plus de bougie, là. Mais, oh là là. Oh non, mais, attends. Ça sert à quoi d'avoir mis l'option courir si c'est pour que toutes les deux secondes, on se casse la gueule. Il y a un truc que j'ai pas dû comprendre là. Bon bah on y va. Hein. Putain, elle est là. Bon, comment on peut faire? Saleté! Bon, elle peut vraiment pas passer du coup, ça c'est la bonne nouvelle. Ce mur nous protège vraiment du mal. Hein. Par contre, c'est comment je vais faire moi pour... Putain, ça m'énerve. Oh, j'en ai rien à foutre d'elle, allez j'y vais, c'est bon, ça m'a saoulé là. Vas-y, c'est bon, j'ai plus de bougies, j'en ai rien à foutre. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Saleté de démon. Je sais pas où je dois aller en plus, hein, c'est ça le truc. Trois, deux, un. Je vais bientôt y passer. Oh, hé, hey, oh, hé. Hey. Eh hé, oh oh, oh oh, eh hé, eh hé, oh. Ah, sois ouverte s'il te plaît. Non, sois pas fermée, c'est pas ce que je voulais voir. C'est vraiment pas ce que je voulais voir. J'ai plus de bougies, là. Ah, ça marche pas, là. Ah, ça marche pas. Merde, j'ai plus de bougies. Ah, là, il y a une base. Faut que j'y aille. Calme-toi. Toshi, calme-toi, tout va bien se passer, regarde, t'es à 10 mètres, t'es à 10 mètres, allez, 8 mètres, 5 mètres, 3 mètres, c'est bon. Oh, c'est bon, on est passé. Ah, mais le jeu, d'accord, ça se passe comme ça, du coup. Donc t'as des zones, à mon avis, attends, à mon avis, t'as des zones à passer qui sont très dangereuses. Il faut juste réussir à les passer, tout va bien, en fait. Ok, bah écoute, nickel. Zéro mort. What? Excellent. Oh! Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Oh! Une bougie. Putain, on se fait agresser par des tasses maintenant. Mais où va le monde? On s'est fait agresser par une tasse. Hein. Pas des conneries, hein. Vous l'avez vu, hein. Mais il est bien ce jeu. Bon, je galère à trouver mes portraits, mais sinon c'est pas mal. Allez, encore une porte fermée. Bien sûr que oui. M'énerve ces portes, j'ai envie de les défoncer. J'ai envie de les défoncer. Oh merde, oh putain, je suis mort. Oh, je suis mort, je suis dead. Adios amigos de los pentos. Aïe 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 aïe. Ah, ça pue du cul, ça pue du cul, je te le dis moi. Ah, toujours debout, toujours vivant, toujours la banane. Bon, bah on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. On va essayer d'aller revoir maman. Maman chelou là. Je sais pas si c'est une bonne idée ce que je fais, mais. Bon, où on en est. J'ai envie de te dire. Euh...
Oh, il y a une autre porte là-bas. Oh la vache. Ah, je crois que c'est la porte. C'est la porte de tout à l'heure, ça. Putain, on est passé encore une fois, mais c'est génial. Par contre, je crois que c'est vraiment la porte de tout à l'heure. Ah non, putain, non. Merde, la lumière, vite. Encore une bougie, putain, les crocs, on avance dans ce jeu, on avance, on trouve des bougies, on avance. Oh, un portrait. Yes. 2 sur 3. Oh putain. Oh putain. Oh la vache. Ça disait que ça faisait... Putain, il y a une ombre. Je rêve là. Je crois que j'ai vu une ombre. Attendez, attendez, attendez. Je crois que je viens voir une ombre. C'était pas le mannequin, c'était derrière, genre là. Il y avait une ombre ici, là, attendez. Oh. Mais what? Mais putain, mais laissez-moi tranquille. Quelqu'un souffle sur ma bougie. T'arrêtes, oui, t'arrêtes maintenant. Je pense qu'il faut pas que tu te retournes. Oh! Mais c'est ça? Quoi? C'est quoi ce bruit? Putain, Scare, je crois que t'as raison. Je crois que t'as raison. Quand je me tourne trop vite... Regarde, oh là là, c'est trop bien fait. Ça, j'ai jamais vu ça dans un jeu. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Quand je me tourne trop vite, la bougie s'éteint. Mais c'est complètement fou. Bien vu, Scare, franchement. Je te pensais pas intelligente, tu vois, mais... Mais je vais peut-être changer d'avis. J'aurais jamais trouvé de moi-même, en tout cas, putain. Moi, je pensais vraiment que c'était quelqu'un qui soufflait. Sur la bougie, tu vois. Oh putain de sa mère. Allez, qui dit que cette porte est fermée? Moi je dis que oui. Oh là 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 là. Le devin. Seul dans ce manoir, avec ma bougie. Et quand je tourne vite, y'en a plus. Obligé de rallumer toutes les 10 secondes. C'est vraiment très embêtant. Tiens, c'est qui avait faim tout à l'heure, là, regarde. Un bon plat. Mais ta mère! Ta mère! Putain! Ah, ça m'a fait peur, putain. Le cri, là. Là, j'ai flippé, là. Bon, bougie, tu restes allumé, hein. Tu fais pas ta pute, hein. Parce qu'au final, t'es un peu seul. Ah! Ah! Oh, putain! Oh! Elle a implosé! Oh la vache. Bah écoute ouais, et bah tant pis. C'est la vie, hein. Ça arrive parfois de comme ça d'exploser. Bon, c'est pas tous les jours que ça arrive, mais ça arrive.
En fait, ce qui est flippant, c'est qu'on entend ces bruits de pas. J'arrive pas à savoir de quel côté elle est. Là-bas, on est déjà allé, les creuses. On est déjà allé. Ah, là-bas, il y a une autre porte. Putain, il y en a partout. Je crois que c'est celle où j'étais. Il y en a peut-être une autre à droite. J'en sais foutrement rien. On va essayer. On va essayer d'aller au fond là-bas. Putain de sa mère. Je te le dis. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Quelque chose de terrible a dû arriver dans cette maison. Mais y'a que ça ici! J'ai même plus de bougies, les gars! Ouais, on va s'arrêter là, je pense. On s'arrête là, les creuses. Je vais arrêter l'enregistrement. Y aura peut-être une rediff, je sais pas, de ce jeu. C'était pas mal, bon, c'était pas fou, mais ça va. Je vous dis à très vite pour un prochain vrai live de 2 heures. Ça pourrait être demain. Faudrait que je trouve un bon jeu à faire. Et puis voilà, on se retrouve très vite, les creuses. Passez une très bonne nuit, très bonne soirée. Je vous fais plein de bisous. Et bah merci. Et ciao.